Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On va donc aujourd'hui continuer l'aventure sur Shin Megami Tensei 5. J'ai fait 2-3 fusions spéciales, je vous montre ça tout de suite. J'ai synthétisé du coup, si on peut appeler ça comme ça, l'Hydre, Black Frost et Alice. Je ne peux plus débloquer personne parce que mon niveau de fusion est trop bas, mais je suis quand même à 49% au niveau du compendium, ce qui je pense c'est franchement déjà pas mal. Bon, écoutez, on va continuer l'exploration de ce château, voir un petit peu si on peut trouver le fond du château dans cet épisode. Sachant que je ne sais pas du tout par où je suis censé passer. Forcément, vous vous en doutez en même temps. Ouais. En même temps, on n'a pas vraiment le choix là, j'ai l'impression, pour la direction. Donc là, je peux descendre ici. Pour au final remonter là-bas. Je m'approche, je vais récupérer ça vu que j'en ai pas l'utilité, mais bon. Oui, ok. Mince. Ah, c'est par là. Enfin, en même temps, je dis c'est par là, mais j'en sais rien. Bon, là, je vois des coffres. Mince. Je vois des coffres, je pense qu'on va pouvoir les récupérer. Voilà, on se la refait. Je t'ai déjà, toi. On va aller par là. C'est bien ce que je pensais. Ça va me permettre, je pense, de rejoindre ces deux coffres. Sachant que j'ai dépensé pas mal de maca, donc je serai pas contre en gagner. J'ai d'ailleurs chopé une compétence qui me permet de gagner deux fois plus, voire même trois fois plus de maca si le monstre veut prendre la fuite. En vrai, je suis passé là sans savoir si c'était par là, et visiblement c'est bien par là. D'ailleurs, il y a un coffre là, mais ça me fait chier de descendre pour remonter ensuite, en fait. Mais en même temps, soit on explore pas. Hein. De toute façon, je sais par où il faut passer pour y retourner, ça va me prendre 10 secondes en soi. Bon, vous savez quoi? On va en attaquer. Hein. En plus, aussi bien, en vrai, je l'ai pas, je le confonds peut-être avec quelqu'un, hein. C'est pas impossible. Mais il me semble que je l'ai déjà eu. Ouais. Bon, après, ça m'empêche pas d'essayer de le recruter. Oh, l'enflure. On va essayer de recruter le cheval. Ah là là, pauvre petit cheval, tu penses vraiment pouvoir me tuer? Ah, t'es chiant, Jean-Jacques. T'es vraiment chiant, Jean-Jacques.
Tout ça pour ça en plus. Ça va pas te permettre d'aller plus loin. C'est pas fini, c'est pas fini. Sérieux, 666 maca. Bon, écoutez, j'aurais toujours gagné ça, même si j'ai perdu. 4 médicaments. Oh putain, c'est lourd. J'ai perdu juste 4 médicaments. Bon, après, j'ai gagné un peu de maca. Hein. C'est pas très grave non plus. Bon, bref, continuons d'avancer. On va aller vers l'objectif, c'est-à-dire la porte qui est un petit peu plus loin. Ok, on est où là? Je pense qu'il doit rester peut-être une salle, mais je suis pas certain en vrai. Si, ouais, il en reste une. Avant de passer à un nouvel étage. Je suis dans ça, elle est où? Ah, ok. Est-ce que c'est bien par là? Oui, je pense, puisque ça me permet d'accéder à cette zone-là. Genre, parce que je fais ça à l'impro depuis tout à l'heure. Genre, en général, je sais même pas par où je passe. On va essayer d'aller par là. C'est possible. Olé! Je sais pas si c'était là que j'étais censé aller, mais... Mais j'aime bien. Alors lui, je l'ai peut-être pas, hein, en vrai. Ah si, en fait, c'est possible que je l'ai. Non, je l'ai pas, c'est bien ce que je pensais. Oh, l'enflure! Ah, ça m'énerve. J'ai dépensé des PM pour rien, du coup. Aïe, 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 aïe. Bon, je sais pas trop, du coup, où je suis censé aller. Puisque, visiblement, là, ça me permettait juste d'accéder à un coffre.
Oh, il y a des propulsions de partout. Pourquoi il s'est pas déclenché le truc là-haut? Bah ouais, mais il se déclenche pas les trucs au mur. Ils sont en décalé, c'est illogique. Non mais c'est complètement stupide, il n'y en a pas un seul qui est paramétré en même temps. Ah putain, ça m'énerve. Ça va. Ok, c'est bon, j'ai compris le pourquoi du comment. Et là, on a atteint la porte. Donc là, on change de zone. On a réussi. Yes. Nouvelle zone, qui dit nouvelle zone dit sauvegarde normalement. Et la voilà. Bien évidemment, on sauvegarde, on se soigne, c'est la base. Attendez. Ok, non, y a rien. Ok, les serpents là, je les ai déjà. Ah, là, il y a trois coffres là-bas qu'on peut atteindre en plus. On va aller par là. Ah, nouveau coffre. Cinématique. よ。すごいな。こんなところまで来てたのか。感心していないでお前は帰った方がいい。これ以上進むのは危険だ。そして小僧か。本部のドミニオン隊が消息を絶ったと連絡が入った。 この魔王城内部はかなり危険だと推測できる。お前は自信があるのかもしれぬが、この先へ行くつもりなら注意は怠るな。そして断罪。小僧の無事も確認できただろう。お前はここから安全な場所に戻るがいい。 大天使様。 魔王を倒せば世界は平和になるんですよね。僕らが暮らす東京も救われますよね。そのためなら僕はこの身が危険でも魔王を倒しに進みたいです。正しき行いの先に常に正しき答えがあるわけではない。ダザイ、今のお前では 魔王の餌食となるだけであろう。安全な場所に帰る方がお前の友も安心するであろう。一緒に先に進みたかったけど、そうだよな。
わがままを言うのはやめるよ。俺は城の入り口で魔王の援軍を防ぐことに集中するよ。安心しろ。あの者は私が魔王城の入り口まで送り届ける。お前はこの先へ進み、可能なら魔王を倒してくれ。 Ok. Donc eh bien, écoutez, on continue. On va continuer à explorer ce troisième étage. La question est de savoir de quel côté je vais. Bon écoutez, je vais partir à gauche. Et eh bien c'était à droite. On va sûrement devoir recroiser des sortes de ventilateurs, je pense. Bon, peut-être pas dans ce niveau-là, mais... Mais dans tous les cas, ça ne m'étonnerait pas. Gauche, escalier, on monte en haut. Un mob, un deuxième mob. Un troisième mob. Un coffre. Hop là. Ah bon bah c'était inévitable. Et le pire c'est que je vais tous les one-shooter quoi. Et voilà. Bon, dans tous les cas, peu importe où je vais, c'est la même chose. Donc on va par là. Mais là, j'y ai déjà été apparemment. Ah non. Mais ici, par contre, j'y ai déjà été, ça c'est sûr. Simple de savoir par où passer. Mais visiblement, il y a un escalier à droite également. Mais je peux pas l'atteindre par là. Donc au final, ça me ramène à ici. Faites voir la map. Ouais. C'est forcément par l'autre côté. Il doit y avoir un endroit où j'ai pas encore été ici. C'est certain même. Ok, donc c'est pas par là. Ça me ramène ici en haut. Faut trouver le moyen de monter plus haut. Il doit y avoir un moyen, mais quel est ce moyen, telle est la question. Ok. C'est étrange. Parce que là, c'était l'entrée du début. Et là, j'y suis passé déjà deux fois, j'ai rien trouvé, donc ça va devenir compliqué cette histoire. Pas de passage ici, pas de passage là, pas de passage ici. Là, ça nous mène là où on a déjà été. Là aussi. Ah, attendez, là. Ouais, c'est par là. C'est ce qui me permettra d'accéder au second escalier pour monter plus haut. Ok, on a trouvé. On saute une fois, on saute deux fois, on saute trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois,
7 fois 8 9 10 11 et on arrive à un coffre. Mais c'est clairement pas là que je suis censé. Putain le con. Ah, j'ai pas été doué là. Là, j'ai pas été doué. Parce que je dois tout me retaper du coup. Et mince, cul-de-sac, c'est pas là. Bon, mais c'est pas grave, hein. On refait le trajet. Par là-bas. Ici. Là. On descend, on fait le tour, on monte le premier escalier, on fait le tour entier et on revient. Première intersection, je tourne à gauche, je fais le tour, je saute, je tourne encore à gauche, je monte l'escalier à gauche. Et là, une série de sauts. J'ai chaud. Par contre, je sais pas du tout où est la prochaine destination. Ok, c'est bien par là-bas. C'est forcément par là. Ah ben par là, j'y ai pas été. Ouais, c'est par là-bas. Ça ne peut être que par là de toute manière puisque j'y ai pas été. Ok, on continue là. À bientôt, ben voilà, j'allais dire tomber sur un escalier, je pense. Pas sûr que ce soit par là. Ouais, ok. Là, il y a un coffre. Ça a servi à quoi que je saute ici? À rien. Pas facile de trouver par là où on doit passer en fait. Hein. Oula. Bon, j'ai réussi à l'avoir, mais par contre, il faut absolument que je me soigne, là. Clairement, il faut que je me soigne. Bon. Ensuite. Ah ben, je crois que j'ai trouvé, non? C'est ici? Sauvegarde. Château niveau 3, escalier. Donc on est à la moitié du niveau 3 logiquement. Mais c'est pas fini, on continue. Ok, on est de nouveau dans une zone avec des ventilateurs. Donc ça risque de pas être simple.
Bon, je suis tombé, c'est pas très grave. On va d'abord explorer la partie basse. Et c'est un petit labyrinthe, visiblement. Mais je pense qu'au final, on est obligé de monter en haut, en fait. Il faut juste pas tomber, quoi. Il va tomber. Il va tomber, c'était sûr. Il faut que je le fasse peut-être un petit peu moins vite. Ce serait pas mal de le faire un petit peu moins vite si je veux éviter de tomber. Ah merde! Ah d'accord, il y en a vraiment partout. Donc en fait, c'est pas il faut le faire moins vite, c'est il faut le faire plus vite. À partir du moment où je saute au premier, il faut enchaîner quoi. C'est-à-dire là, j'y vais quoi. Je trace. Je crois que j'ai réussi. Bah là, on n'a pas le choix, faut les faire un par un. Merde. Oh le nul. Oh le nulos. Bon, à partir de là, il faut redescendre ici et remonter par là. Bon, heureusement, j'ai le choix de la deuxième chance. D'accord, on est censé aller en face. Merde. Ok, là c'est bon. On attend, tranquillement, gentiment. Pas se tromper. Il faut aller ici. Enfin, je pense. En vrai, j'en sais tellement rien. Putain, c'est un vrai labyrinthe. Elle est où la porte? Est-ce qu'on peut savoir à peu près à quel niveau elle est? On la voit même pas en fait. On la voit même pas, c'est-à-dire que là je sais pas du tout où je suis censé aller. C'est-à-dire que je fais tout au hasard quoi. Là vraiment je me balade en espérant tomber sur la porte. Apparemment, j'ai pas le choix, il va falloir aller là. Alors là, je suis où? Alors là, je suis tombé dans un endroit où j'ai pas été puisqu'il y a un coffre. Ce qui veut pas pour autant dire que je suis là où je suis censé aller. C'est ça le problème là, c'est que dans cette salle, on a aucun visuel sur la porte, on sait pas du tout où elle est. C'est compliqué. Ok, c'est bon, c'est gagné. Alors ensuite... Bah écoutez, on va monter là-haut. Ah mais là je crois que je suis revenu dans une zone où j'ai déjà été.
Et oui, c'est là où je suis monté au tout début et que j'ai passé les 4 trucs là. Donc on est revenu au début. Oh putain, fais chier. Bon, ça veut dire que j'ai pas trouvé la bonne partie. Ah putain, ça m'énerve. Sérieux quoi. Je suis même pas devant, c'est ça le pire. Je suis même pas devant. Bon, c'est là où c'est compliqué. À partir de là, pour moi, j'ai pas le choix. Il faut que je tombe en même temps que celui de droite. C'est-à-dire maintenant. Là, je me téléporte ici, ok? On farfouille un petit peu la zone. On voit que c'est un cul-de-sac, qu'il n'y a pas vraiment de choix. Et donc là, il faut que je trouve, voilà, ça. À partir de là, ma porte, elle est là-bas, en bas. Ici. Enfin, je suppose. Non, c'est pas je suppose, c'est sûr, elle est là-bas. Donc, il faut que je trouve le moyen. Alors, faites voir. Si je me mets comme ça, elle est par là-bas. Le moyen de monter là-haut. Ah ok, je vois le genre. C'est infaisable, c'est clairement infaisable. Là, du coup, je suis encore revenu au début, c'est ça? Ouais. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais essayer de trouver le passage hors live et on se retrouvera devant la porte demain pour le prochain épisode. Je vous dis à très vite, bye bye.